fille d'un kinésithérapeute et d'une mère travaillant dans une société de commerce avec l'Afrique. Ref, souhaité. Elle a étudié la littérature et obtenu un master recherche. XDA, de lettres modernes avec un mémoire sur la réception dans la presse des œuvres de Victor Hugo en 1828. À la Sorbonne, après un stage au sein de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde de Marc-Olivier Fogiel à partir d'octobre 2004. Émilie Besse rejoint en 2006 la chaîne d'information en continu et plus grand que télé pour présenter une chronique littéraire au sein de l'émission et plus grand que matin ou week-end. Pendant l'été 2007, elle co-présente avec Émeric Caron le journal du matin sur Canal+, puis à la rentrée de septembre 2007 les journaux au sein d'y plus grand que matin ou week-end. La matinale d'y plus grand que télé. Elle rejoint Canal+, en janvier 2008, pour présenter le journal télévisé de la mi-journée au sein de l'édition spéciale de Samuel Étienne puis de Bruce Toussaint. Au début de l'été 2008, Christophe Beaugrand et Émilie Besse animent une version raccourcie de la matinale. Depuis septembre 2009, Ref, souhaité, parallèlement aux journaux de l'édition spéciale sur Canal+. Elle anime l'effet papillon lors des congés de Daphné Roulier. À la rentrée 2011, elle rejoint l'équipe de la nouvelle édition présentée par Ali Badou puis Daphné Burki où elle continue de présenter le journal de la mi-journée sur Canal+. Dès 2016, suite à la fin du JT de Canal+, elle rejoint C8 et elle y présente un magazine de consommation en plus des journaux de C8 le JT. Toujours dans la nouvelle édition qui a été transférée et également sur la même chaîne.